cette maladie, elle est vraiment sous-estimée. Dans de nombreux cas, avec des conséquences qui sont parfois fatales, beaucoup de malades décèdent encore. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Et ce sous-diagnostic, il est dû soit à des symptômes classiques qui sont non spécifiques, qui rendent le diagnostic vraiment difficile, puisqu'on peut trouver ces signes-là dans d'autres pathologies. Et de plus, on est convaincu parfois que les examens faits au lit du patient sont vraisemblablement, seront vraisemblablement toujours anormaux. Alors que les examens complémentaires faits au lit du patient sont fréquemment normaux et alors que c'est une embolie pulmonaire. De plus, l'existence de facteurs confondants de la maladie cardio-respiratoire coexistante qui ont la même symptomologie et le fait d'être en unité de soins intensifs complique une situation déjà qui est précaire. Donc, quand est-ce qu'on doit y penser? Est-ce que c'est devant les symptômes qui se présentent, que présente le patient? Alors, comme vous le savez, les symptômes ne sont pas spécifiques, les symptômes classiques. Deux symptômes sont retrouvés, plus, mais les plus fréquemment retrouvés sont la dyspnée et la douleur thoracique. La douleur thoracique, la dyspnée est le symptôme le plus souvent retrouvé dans les études que je vous ai mises ici, par exemple l'étude PIOPED, l'étude PIOPED 2 et l'étude UPET. Les trois études ont montré que le premier signe retrouvé fréquemment était la douleur, était la dyspnée. Mais cette dyspnée est retrouvée aussi dans d'autres pathologies. Donc le signe n'est vraiment pas spécifique. La douleur thoracique est retrouvée en deuxième lieu. Elle est retrouvée aussi bien dans l'étude PIOPED que dans l'étude PIOPED 2. Mais encore ici, là, cette douleur thoracique n'est pas spécifique à l'embolie pulmonaire. On retrouve aussi d'autres signes, tels que l'hémoptysie, tels que les douleurs dont j'en ai parlé, et d'autres signes. Est-ce que l'examen clinique va aider à faire le diagnostic de l'embolie pulmonaire? Eh bien, l'examen clinique, ici aussi, on retrouve plusieurs signes. On retrouve plusieurs signes qui sont en relation avec l'embolie pulmonaire. Donc, ici clinique et les examens cliniques ne nous rendent pas vraiment service pour le diagnostic d'embolie pulmonaire. Alors que doit-on faire? On doit justement combiner les signes cliniques pour augmenter améliorer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Dans cette étude, l'étude PIOPED 2, l'association de dyspnée avec la tachypnée était présente dans 84%. Donc vous voyez que le pourcentage important compte en associé ici. La dyspnée associée à la tachycardie ou la douleur pleurétique était présente dans 92%. Ici aussi, il y a un pourcentage important, etc. etc. Donc, quand est-ce qu'on doit y penser? On doit y penser quand nous avons une combinaison de signes cliniques et de symptômes plutôt que les signes cliniques qui sont pris isolément ou bien l'examen complémentaire avec une panoplie de signes qui sont pris ici aussi isolables. Alors, est-ce que le délai intervient dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire? Vous savez que l'embolie pulmonaire est une infection aiguë et le diagnostic peut être fait rapidement pour pouvoir traiter le patient dans les plus brefs délais. Donc, il y a eu cette étude néerlandaise qui a été faite avec 256 patients et le diagnostic a été fait en moyenne en 8,6 jours. Donc, 22,6% ont eu le diagnostic d'embolie pulmonaire le jour de la consultation, 23,8% ont eu le diagnostic d'embolie pulmonaire plus d'une semaine après. Et fait important, c'est que certains malades, c'est fait dans un petit pourcentage, ont eu le diagnostic d'embolie pulmonaire pour plus d'un mois. Les douleurs thoraciques et la thrombose veineuse initient le diagnostic, donc le diagnostic était fait précocement. Par contre,
présence de comorbidité peut retarder le diagnostic. Dans cette autre étude, il y a eu aussi 180 cas d'embolie pulmonaire. 26% ont eu un retard de diagnostic. Et ce qui retardait le diagnostic, c'était l'âge qui était avancé, l'âge supérieur à 75 ans. Et l'absence de symptômes thoraciques compliquait encore cette situation. Fait important et très intéressant, c'est que les patients avaient une infection respiratoire. Et cette infection respiratoire était retardée chez les patients qui avaient le diagnostic d'embolie pulmonaire après une semaine. Alors que d'autres, quand ils avaient le diagnostic qui était fait précédemment, le diagnostic d'embolie pulmonaire était venu dans sa vie. L'infection pulmonaire était diagnostiquée dans 13%. Une autre étude espagnole, justement, a confirmé tout ceci. Elle a été faite collégée chez 436 patients où ils ont déterminé trois groupes. Le premier groupe, il avait où le diagnostic d'embolie pulmonaire était fait en urgence, directement quand il arrive. Le deuxième groupe, c'était des malades qui étaient hospitalisés dans un autre service après leur passage aux urgences, donc le diagnostic n'était fait qu'après hospitalisation. Et un troisième groupe, il y avait le diagnostic d'embolie pulmonaire après qu'ils soient sortis et revenus pour embolie pulmonaire. Donc chez dans ces groupes de malades, la moyenne d'âge était de 71,5% pour les malades qui étaient pris tardivement. Et l'asthme et la VPCO retardaient le diagnostic ici aussi. Viennent aussi confirmer le retard de diagnostic parce qu'il existait des VPCO et des maladies respiratoires. Alors que la syncope et la dyspnée rendaient le diagnostic plus précoce. Pourquoi? Parce qu'ils ont influencé les décisions des uns et même des malades. Alors, l'embolie pulmonaire finalement, on a vu qu'il fallait une combinaison de signes. De plus, il faut y penser même devant le délai et de plus d'un mois. Chez le sujet âgé et absence de signes respiratoires, lorsqu'il existe des PPCO et des maladies respiratoires, ceci retarde le diagnostic et la syncope et la dyspnée aiguë rendent le diagnostic plus rapide. Alors, les examens complémentaires faits au lit du malade, quels sont les examens qui vont nous orienter justement vers l'embolie pulmonaire? Vous avez la gazométrie. Généralement, lorsqu'on voit une hypoxie, une hypocalorie, un gradient alvéolaire artériel supérieur à 20 mm de mercure, on pose le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais attention, une gazométrie normale n'élimine pas une embolie pulmonaire. Donc les gaz du sang, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider le diagnostic, mais ils ne font pas partie de l'évaluation. Ils sont utiles pour l'analyse du trombone embolique si un test sensible est inférieur à la valeur seuil acceptée. Il y a eu cette étude qui a été faite sur 1700 patients chez qui on a suspecté l'embolie pulmonaire et les dizimères étaient normaux. Le taux de maladie thromboembolique à 3 mois chez les patients avec une probabilité improbable était de 1,1%. Alors que chez les patients qui ont une probabilité clinique de probable, ils ont confirmé l'embolie pulmonaire dans 9,3%. Donc vous voyez que les dédimères tout seuls n'ont aucune valeur. Il faut toujours les associer à la probabilité clinique. Les dédimères peuvent être négatifs alors qu'il s'agit d'embolie pulmonaire. Je vous ai mis ce cas clinique chez une femme enceinte qui avait des dédimères qui étaient négatifs. Alors c'était une embolie. De plus, les dédimères, il faut que les tests soient quand même, il faut qu'il y ait une seuil de sensibilité qui est assez élevée, sinon vous risquez d'avoir un examen qui est négatif, et alors que l'embolie pulmonaire lui peut être exclue. Donc, il faut savoir aussi que les dédimères sont grossement négatifs lorsque vous avez une anticoagulation active, lorsque vous utilisez en association les statines,
et lorsqu'il y a une hypertension artérielle thromboembolique qui est chronique. Donc quand est-ce qu'il faut y penser lorsque vous avez à votre portée des examens complémentaires que vous pouvez faire au lit du patient? Donc il faut y penser bien sûr lorsque vous avez un gradient alvéolo-artériel. Mais attention, une valeur normale de KO2 n'est pas une embolie pulmonaire. Les dithymères utilisés seuls n'ont aucune valeur. Ils doivent être associés à une probabilité clinique. Une probabilité forte, ne doit jamais imposer la pratique des dithymères. Les dithymères sont ici non utilisés. Les dithymères ont une valeur positive et négative, bien sûr, mais peuvent être faussement négatifs lorsqu'il y a une anticoagulation active. Lorsqu'on utilise d'une façon concomitante les statines ou lorsqu'il existe une hypertension artérielle thrombotique chronique. Alors, lorsqu'il s'agit de maladies cardio-respiratoires, est-ce qu'on peut aussi faire le diagnostic ou bien penser au diagnostic d'embolie pulmonaire? Vous savez que la bronchopneumopathie chronique obstructive, lors de l'exacerbation, les signes qui sont les plus fréquemment associés sont la dyspnée, et parfois la douleur thoracique. Dans la BPCO, il faut savoir que l'embolie pulmonaire a une prévalence jusqu'à 20% lorsqu'il s'agit d'exacerbation aiguë. Donc, la BPCO, elle prédispose à la maladie bronchopneumopathique, mais elle la prédispose quand? Elle la prédispose lors de l'hospitalisation. Donc elle est de mauvais pronostic lorsque elle survient chez le malade qui fait une BPCO. Les symptômes sont très variés chez le malade qui présente une BPCO. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une aide au diagnostic qui pourrait justement faire le diagnostic de l'embolie pulmonaire alors que le malade fait une BPCO? Donc il existe des marqueurs cliniques qui suggèrent que l'embolie pulmonaire est la cause d'une cystite aiguë chez le patient atteint de BPCO. Le début est brutal. L'absence de fièvre. Alors que dans la décompensation de la BPCO, vous avez comme cause des infections, etc. et qui peuvent être à l'origine de fièvre. Il n'y a pas de changement d'expectoration et pas d'aggravation de la toux. Pour les maladies cardiaques, il s'agit de la même chose. Donc l'insuffisance cardiaque congestive augmente le risque de maladies thromboemboliques. Donc l'insuffisance cardiaque congestive est un prédicteur indépendant de maladies thromboemboliques avec un risque inversement proportionnel à la fonction ventriculaire gauche. C'est-à-dire plus la fonction ventriculaire gauche est affaissée, plus le risque est important. Donc le diagnostic est souvent incertain. Pourquoi? Parce qu'il existe une dyspnée, une douleur thoracique, un reflux hépato-jugulaire et des mâles crépitants. Et ceci, on les retrouve aussi bien dans l'exacerbation de l'infection, dans l'insuffisance cardiaque congestive et dans l'embolie pulmonaire. Alors, lorsqu'on a une suspicion d'embolie pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque droite, il y a certains signes qui pourraient nous orienter justement vers une embolie pulmonaire qui complique l'insuffisance cardiaque, qui sont l'apparition récente ou aggravation de la dyspnée, des œdèmes qui sont périphériques, une hépatomégalie, un reflux hépato-jugulaire, et il y a des râles qui sont... il n'y a pas de râles crépitants. Alors, quand est-ce qu'il faut y penser chez le BPCO? Il faut y penser lorsque vous avez une dyspnée d'apparition brutale, lorsqu'il y a absence de fièvre, il n'y a pas de changement d'expectoration, il n'y a pas d'aggravation de fièvre. Il faut y penser aussi dans les souffrances cardiaques congestives, lorsque vous avez l'apparition récente ou aggravation d'une dyspnée, lorsque vous avez des œdèmes périphériques, une hépatomégalie, reflux hépato-jugulaire, sans râle crépitant. Alors, qu'en est-il chez le sujet âgé? On le sait tous que l'âge est l'un des facteurs, des principaux facteurs de risque de maladie thromboembolique. Alors, chez le sujet âgé, il existe plusieurs facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont une mobilité réduite, une tumeur maligne, d'autres comorbidités telles que l'insuffisance cardiaque et les varices, ainsi qu'une anesthésie générale, puisque le patient a parfois des maladies, et ces maladies doivent être opérées sous anesthésie. Puis chez le sujet âgé, il y a un taux de fibrinogène qui est élevé, et ainsi que les facteurs de coagulation, avec une diminution des anticoagulants tels que l'antithrombine 3, qui fait qu'il y a un risque accru chez ces patients de maladies thromboemboliques.
il y a eu des études qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite chez des patients qui ont une moyenne d'âge de 85 ans. Et le principal signe, le signe qui était très important chez ces sujets âgés, c'était les symptômes. Les douleurs thoraciques, par contre, elles étaient moins fréquentes. Et l'embolie pulmonaire, elle n'était pas suspectée chez les sujets âgés. Non suspectée chez les sujets âgés, dans 72%, par rapport aux sujets plus jeunes, elle a été non suspectée dans 42%. Donc vous voyez que le sujet âgé, quand même, le diagnostic chez le sujet âgé d'embolie pulmonaire n'est pas fait examen. Dans une autre étude, il y a eu 31 patients jeunes et 29 patients qui sont âgés. 24% ont présenté un prolapsus. Les personnes âgées étaient plus souvent cyanosées et hypoxiques, mais il n'y avait pas de différence significative dans le pouls, la fréquence respiratoire ou la pression artérielle. Donc vous voyez que les signes sont très variés chez le sujet âgé. Il peut être aussi symptomatique comme il peut être très symptomatique. Alors attention, chez le sujet âgé, il n'existe pas de marqueur clinique, comme pour la BPCO et l'insuffisance cardiaque, pour dire que c'est une embolie pulmonaire et pourrait aider à diagnostiquer l'embolie pulmonaire chez le sujet âgé, en dehors d'une prise de conscience importante, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit conscient que le sujet âgé peut faire une embolie pulmonaire à n'importe quel moment et il faut y penser, même si les signes ne sont pas concordants avec les signes de sujet plus jeune. Alors l'embolie pulmonaire en soins intensifs, nous travaillons tous en soins intensifs et nous savons que les patients en soins intensifs sont sujets à la maladie thromboembolique et à l'embolie pulmonaire qui peut être mortelle chez ces patients qui ont un état qui est très précaire. Donc l'incidence de l'embolie pulmonaire chez ces patients, elle est de 7,2%. Il existe de nombreux facteurs de risque chez ces patients. Ces facteurs de risque sont l'immobilisation prolongée, la chirurgie, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et surtout les cathéters vasculaires cérébraux. D'ailleurs, cathéters centraux, pardon. Il y a eu des études autopsiques qui suggèrent que l'incidence d'embolie pulmonaire peut atteindre 60% chez les sujets qui sont décédés avec un cathéter veineux central in situ. De plus, ces malades-là sont ventilés. Donc la ventilation artificielle, elle est aussi à l'origine d'embolie pulmonaire, maladie thromboembolique. Pourquoi? Parce que les lésions pulmonaires vont modifier le renouvellement de la fibrine et ce qui rend l'état des patients qui sont en réanimation, l'état de l'hémostase qui sont très thrombogènes. Donc le diagnostic difficile, il n'est pas recherché dans le grand cas, vous savez pourquoi? Parce que c'est des patients qui sont le plus souvent qui sont inconscients, qui sont sédatés. Donc la dyspnée et la douleur thoracique ne peuvent pas être facilement identifiables. Ils présentent de nombreuses comorbidités qui contribuent à l'augmentation du dédimère. Il y a d'autres pathologies qui peuvent donner une augmentation du dédimère. Les patients peuvent ne pas tolérer le transport vers le service de radiologie. La plupart du temps, ils sont intransportables parce qu'ils sont instables, par exemple. Et comme beaucoup sont déjà ventilés mécaniquement, la scintigraphie chez ces patients est difficile. De plus, ces patients présentent une néphropathie qui sont dues aux produits de contraste et ainsi ceci contre-indique l'angiospermie thoracique. Donc attention chez ces patients, la prise de conscience est le facteur clé. Si les besoins en oxygène augmentent en l'absence d'autres causes, il faut penser à l'embolie pulmonaire. La thromboprophylaxie, comme vous le savez, en soins intensifs, est inadéquate chez de nombreux patients hospitalisés en soins intensifs. C'est pour cela que ça favorise la maladie thromboembolique chez ces patients de soins intensifs. Alors, comment l'anticiper ou comment la prévenir? On va la prévenir en reconnaissant justement les facteurs de risque. Et plusieurs facteurs de risque existent pour la maladie thromboembolique. Il existe plusieurs types de facteurs de risque. Je ne les ai pas en tête et je ne vois pas bien, donc je ne peux pas les lire. Donc parmi les facteurs de risque thromboembolique acquis, vous avez la chirurgie, l'hospitalisation prolongée, le cancer, une maladie inflammatoire, intestinale, une infection respiratoire,
une infection des voies urinaires, une hyperthyroïdie peut donner aussi une maladie thromboembolique pulmonaire, maladie rénale, grossesse ou postpartum. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les facteurs de risque de maladie thrombolique, de l'embolie pulmonaire, peuvent ne pas être les mêmes que ceux de la thrombose veineuse. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, voilà, les facteurs de risque de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire se ressemblent, c'est les mêmes. Non, c'est pas tout à fait juste. Certains facteurs de risque existent pour l'embolie pulmonaire alors qu'ils n'existent pas dans la thrombose veineuse. Par exemple, vous avez un patient qui passe en fibrillation, il a une fibrillation qui est récente, tout de suite après, il peut faire une embolie pulmonaire alors qu'il ne fera pas de thrombose veineuse. La fibrillation auriculaire est une situation où le risque est accru pour l'embolie pulmonaire. La contraception orale et le traitement hormonal substitutif, on nous l'a toujours dit, c'était un facteur de risque qui était majeur. Alors ce sont des facteurs de risque qui sont minimes. Donc pour une thromboprophylaxie pharmacologique, il faut reconnaître ces facteurs de risque pour les thromboprophylaxies pharmacologiques avec les HPP1 qui sont le plus souvent utilisés en subcutané, qui est la principale thérapie pour la prévention d'embolie pulmonaire. Il faudra réduire l'immobilisation, c'est un traitement qui est très efficace. D'ailleurs, chez les femmes enceintes, quand elles sont sujettes à l'embolie pulmonaire, il faut qu'elles bougent directement après. C'est une des recommandations principales pour la femme enceinte. Les bains de tension, la compression pneumatique interne, malheureusement, qui n'existe pas en Algérie. Peut-être que c'est bien, leur rentabilité reste moins bien établie que la prophylaxie pharmacologique, mais en tout cas, lorsqu'il existe une contre-indication, elle pourrait être d'un grand succès. Bien sûr, il faudra toujours avoir une prise de conscience des symptômes d'embolie pulmonaire afin qu'elle soit diagnostiquée et traitée rapidement. Voici certains facteurs de risque qu'on a stratifiés en facteurs de risque forts, en facteurs de risque modérés, en facteurs de risque faibles, pour chaque situation qui pourrait donner une embolie pulmonaire. Comment l'anticiper, comment la prévenir? Donc il faudra reconnaître bien sûr les facteurs de risque et administrer une thromboprophylaxie appropriée. Il faut identifier les patients à haut risque et strict respect des directives de thromboprophylaxie. Il faudra prévenir et la prévention est particulièrement difficile, sachant qu'actuellement aucun facteur de risque majeur n'est identifié pour la majorité des patients atteints de maladies thromboembolie, même si je vous ai donné une stratification de cette prévention. Alors une autre façon de prévenir, c'est d'utiliser les outils diagnostiques. Plusieurs outils sont à notre portée. Nous avons le score de Wells, c'est le plus ancien, qui a été validé pour les patients qui ont une suspicion d'embolie pulmonaire aux urgences, ou bien en soins primaires. Donc il comprend plusieurs items. Il a été simplifié, modifié et simplifié pour le rendre plus praticable. Vous avez aussi le score de Genève, aussi, qui est utilisé, qui est à notre portée et qui nous aide à établir une probabilité unique pour pouvoir démarrer le raisonnement et la panoplie d'examens complémentaires qu'on doit demander pour faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. Voici un algorithme de prise en charge pour l'embolie pulmonaire. Le plus ancien, le plus simple et qui est à notre portée. Donc vous avez le pré-test, la probabilité pré-test qu'on doit établir grâce au score de Wells et au score de Genève. Donc vous avez une probabilité, une embolie pulmonaire qui est improbable ou bien le risque il n'est pas élevé. Vous faites les dithymères, lorsqu'ils sont négatifs, vous pouvez éliminer l'embolie pulmonaire. Lorsqu'ils sont positifs et les dédimères, il faudra faire l'angiospasme. Par contre, si la probabilité elle est forte et si le risque il est élevé, il faudra faire directement l'angioscanner sans passer par les dédimères. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser pour justement exclure l'embolie pulmonaire. Vous savez qu'aux urgences, nous avons beaucoup de malades qui viennent pour suspicion d'embolie pulmonaire, mais la probabilité elle est très faible. Il y en a beaucoup, donc il faudra chez ces malades pour leur éviter de faire des scanners thoraciques d'une façon abusive, il faudra exclure chez eux plutôt que de confirmer l'embolie pulmonaire. Donc il y a la règle PERC
qui est utilisée justement pour exclure l'embolie pulmonaire. Cette règle, elle comprend 9 questions et ces questions doivent être toutes négatives. Pour les critères non négatifs, avec prise en charge conventionnelle et groupe pair, où les critères étaient tous négatifs, mais aucune prise en charge n'a été faite puisqu'ils ont exclu l'embolie pulmonaire grâce à la règle pair. Donc, ce qui a été conclu, c'est qu'il y avait moins de scalés qui ont été réalisés dans le groupe pair. Et au cours d'une période de suivi de 3 mois, une embolie pulmonaire a été diagnostiquée chez le groupe pair et aucun dans le groupe témoin. Donc, ils ont conclu que la règle pair peut être utilisée en toute sécurité chez les patients à faible risque aux urgences. Alors, ces deux dernières années, on a vu apparaître un nouveau sport, un nouvel algorithme pour la prise en charge de l'embolie pulmonaire. C'est un algorithme qui est vraiment très facile à utiliser. Il a associé quelques critères de sport de West, associé et des dinaires. Et ce sport, il faudra peut-être l'utiliser, mais il faudra l'utiliser justement pour le diagnostic d'embolie pulmonaire et il va soit exclure totalement, soit il va nous indiquer certains examens pour pouvoir faire. Alors, qu'est-ce qu'il comprend cet algorithme YES? Il comprend des dédimères qu'on doit doser et puis certains signes cliniques. Trois signes cliniques doivent être recherchés. C'est les signes de thrombose veineuse. L'hémoptysie, est-ce que le diagnostic d'embolie pulmonaire est probable? Trois signes cliniques, c'est les items de hier. Donc, comment anticiper, justement, en utilisant des outils diagnostiques? Donc, il faudra toujours calculer la probabilité clinique avec le score de West et le score de Genève. Il faudra utiliser les règles PERC qui, lorsqu'ils sont négatifs, permettent d'exclure l'embolie pulmonaire. Et puis, il faudra de plus en plus utiliser la bonitinière, ce qui permet d'exclure une embolie pulmonaire, initier un traitement anticoagulant rapidement et exécuter rapidement des examens complémentaires pour confirmer l'embolie pulmonaire. Alors, en conclusion, je dirais que penser à l'embolie pulmonaire lorsqu'il existe des facteurs de risque et des circonstances favorisantes. Ne pas y penser, on va se diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Ceci va aboutir au CPC embolique avec toutes ses conséquences, et bien sûr au décès du patient. Y penser trop souvent, c'est surdiagnostiquer l'embolie pulmonaire. Donc ceci va nous inciter à faire des investigations avec des risques qui sont inhérents au réseau et des risques qui sont inhérents au traitement. Donc il faudra une vigilance accrue. Il faudra utiliser les outils diagnostiques validés, il faudra prévenir et sensibiliser les patients et les médecins par le biais de programmes éducatifs comme par exemple l'organisation de la journée mondiale de la thrombose qui permet de diminuer cette maladie redoutable. Et je vous remercie.